La liste des professionnels à consulter pour investir en immobilier. Dans cette vidéo, je vais te partager la liste non exhaustive, bien évidemment, de toutes les personnes que tu dois consulter pour pouvoir investir en immobilier. Car sache-le, pour investir en immobilier, tu ne vas pas le faire seul, il va te falloir une équipe. Moi, j'aime bien parler de Dream Team, c'est-à-dire ton équipe de rêve qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu pour remercier les 25 personnes qui travaillent dans mon équipe pour te produire du contenu de qualité sur l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier et également le mindset. Également, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à 1 heure de formation offerte où je t'explique pas à pas comment j'ai pu générer 150 000 $ de profit en seulement 1 an grâce à l'investissement immobilier. Quels sont les professionnels à consulter afin d'investir en immobilier? Avant de commencer, je vais faire le distinguo entre acheter de l'immobilier et investir en immobilier. Acheter de l'immobilier, c'est simple. Il suffit que tu sortes, que tu ailles voir une maison à vendre ou que tu ailles sur Internet, tu vas voir la liste des propriétés à vendre. Tu vas voir une propriété à 400 000 $ ou à 500 000 €. Tu fais une offre au prix, tu obtiens ton financement, tu achètes et tu vas habiter dedans. Ça, c'est très simple. Et c'est ce que 80% des personnes font. Sache qu'il y a 80% des personnes qui achètent de l'immobilier comme ça et qui pensent faire l'investissement du siècle. Je pense que si tu regardes dans ton entourage, tu vas voir des personnes qui vont te dire le meilleur investissement que j'ai, c'est ma résidence principale. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo par rapport à ça. Je vais te parler vraiment de comment investir en immobilier et qui sont les personnes qui vont t'aider à investir en immobilier. La personne numéro 1 que tu dois avoir dans ton équipe, c'est tout simplement un coach. Un formateur en immobilier. Oui, tu vas dire oui, Florian, tu vends des formations, tu es coach, etc. C'est vrai, je vends des services en investissement immobilier et j'accompagne aujourd'hui plus de 3000 personnes à investir en immobilier de par les différents programmes qu'on a. Donc clairement, si tu veux travailler avec moi, tu as le lien juste en dessous et on pourra t'aider par rapport à ça. Mais pourquoi je te parle de coach? Parce que un coach va t'apprendre justement comment investir en immobilier. Quelle est la stratégie à mettre en place dans ton cas pour pouvoir investir en immobilier? Depuis tout jeune, j'ai rêvé de cette liberté, d'indépendance, de pouvoir voyager à travers le monde comme bon me semble, de pouvoir profiter de mes proches, car c'est ce qu'il y a de plus important, et surtout d'être libre. C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers l'investissement immobilier, un levier qui permet à tous et à toutes de pouvoir s'enrichir en partant de zéro. Peut-être que tu te demandes pourquoi investir en immobilier. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'accompagner les personnes les plus motivées et les plus déterminées à atteindre leurs objectifs en immobilier. À travers Global Investisseur, nous offrons plusieurs programmes de formation en ligne, de coaching, de conférences et de séminaires afin d'impacter le plus grand nombre de personnes. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es fortement intéressé par l'investissement immobilier. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de me suivre tout au long de mon parcours d'investisseur immobilier afin que par les témoignages de tous nos participants, toi aussi tu puisses un jour atteindre tes objectifs et vivre la vie que tu mérites. Et ça va se baser sur quoi? Ça va se baser sur l'expérience du coach. Donc si aujourd'hui, tu apprends de quelqu'un qui a pu lever des millions, voire des dizaines de millions, moi c'est mon cas parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné par des personnes qui ont levé des dizaines de millions, voire des centaines de millions en immobilier, c'est sûr que cette personne pourra te dire exactement comment elle a fait pour atteindre l'objectif que toi tu souhaites atteindre, qui est similaire à ses résultats. Tu vois ce que je veux dire? Donc clairement, c'est comme si tu vas me dire demain tu veux être le meilleur footballeur au monde. C'est sûr que si tu apprends de quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, si tu t'inspires de lui, ben, tu as de fortes chances, peut-être pas d'atteindre son niveau, mais même si tu atteins le dixième de son niveau, c'est déjà pas mal. Et c'est également la même chose que tu dois faire en immobilier. Donc le coach va te permettre de tout simplement tracer une roadmap. Tu vas pouvoir bénéficier de son réseau, de son expérience, éviter les erreurs que ton coach a commis afin de pouvoir aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, les personnes, par exemple, que j'accompagne arrivent à avoir des résultats plus rapidement que moi parce que moi, je leur partage des raccourcis. Donc, je leur dis, voilà comment tu dois faire vite. Voilà quel raccourci tu peux prendre pour pouvoir rapidement atteindre ton objectif. Je te donne un exemple. J'ai des participants qui, aujourd'hui, arrivent à acheter des propriétés en moins de 1 mois alors que moi, à mes débuts, ça m'a pris 6 à 9 mois. Donc, c'est pour te dire que ça va très vite. Donc, clairement, le gain de temps, il est au rendez-vous.
Quelle est la deuxième personne également que tu dois avoir dans ton équipe? C'est tout simplement un courtier immobilier, c'est-à-dire un agent immobilier qui va te permettre justement d'aller sur le terrain et d'identifier les bonnes opportunités pour toi. Et le fait d'avoir un ou plusieurs courtiers immobiliers va te permettre justement de pouvoir démultiplier tes bonnes opportunités. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Dans le cadre de nos programmes d'accompagnement, on a un réseau de plusieurs courtiers immobiliers répartis ici au Québec et également en Europe et bientôt en Afrique également, pour pouvoir justement dénicher de bonnes opportunités pour nos participants, accompagner nos participants sur le terrain afin de pouvoir faire de bonnes transactions. Tu auras également besoin, en troisième lieu, d'un courtier en prêt immobilier, c'est-à-dire un courtier hypothécaire qui va aller chercher du financement pour toi. Et le fait d'avoir à disposition dans ton équipe d'un courtier, ça te permet justement de démarcher plusieurs banques à la fois par l'intermédiaire d'une seule personne. Une fois de plus, c'est ce qu'on a dans notre équipe. On a plusieurs courtiers hypothécaires qui vont trouver les financements pour nos participants. Donc, que d'aller toi tout seul démarcher 20 banques, tu passes par un courtier qui, lui, a des connexions dans plusieurs dizaines de banques et qui va te permettre d'obtenir le meilleur financement pour pouvoir investir en immobilier. La quatrième personne également qu'il va te falloir, c'est tout simplement un inspecteur en bâtiment, un artisan ou même un professionnel du BTP pour pouvoir identifier quels sont les problèmes liés à ton logement s'il y en a. Donc, cet inspecteur va venir auditer ton investissement, s'assurer que voilà, il n'y a pas de sinistre, il n'y a pas de vis caché ou quoi à venir en fait. Donc, avoir un inspecteur compétent pour pouvoir valider tes investissements, ton projet d'achat, c'est vraiment quelque chose de très important. La cinquième personne qu'il va te falloir également dans ton groupe d'investissement, c'est tout simplement ton notaire. Parce que le notaire, c'est lui qui va te permettre justement de signer l'acte de propriété. C'est lui qui va également te permettre de mettre en place, comment dire, tout ce qu'il y a de réglementaire pour te protéger. Il va également te donner des conseils sur ta succession si jamais tu veux transmettre ton patrimoine à tes enfants. Et également, en bonus, la sixième personne qu'il va te falloir dans ton équipe, c'est tout simplement un comptable slash fiscaliste. Moi, aujourd'hui, je travaille avec un cabinet d'expertise comptable et de fiscalité en même temps afin de tout simplement me permettre de déclarer mes revenus et également d'optimiser mes revenus locatifs afin de payer le minimum d'impôts possible en immobilier. Donc, clairement, c'est une liste non exhaustive de personnes qu'il te faut dans ton équipe d'immobilier. On va récapituler. Tu auras besoin d'un coach qui va pouvoir te donner une stratégie propre à toi-même afin d'atteindre ton objectif. Tu vas également avoir besoin d'un courtier immobilier, d'un agent immobilier qui va t'accompagner sur le terrain afin de dénicher de bonnes opportunités. Tu vas également avoir besoin d'un courtier hypothécaire, c'est-à-dire un courtier en prêt immobilier qui va pouvoir démarcher plusieurs banques pour toi afin d'obtenir le meilleur financement. Tu auras également besoin d'un inspecteur en bâtiment, d'un artisan ou d'un professionnel du BTP pour voir si le logement que tu es en train d'acheter ne cache pas des vis cachés. Tu vas également avoir besoin d'un notaire qui va pouvoir acter l'achat de ta propriété. Et enfin, tu auras besoin d'un comptable et d'un fiscaliste pour pouvoir déclarer tes revenus et surtout optimiser ta fiscalité au mieux. Ceci est une liste non exhaustive, bien évidemment, de professionnels que tu peux avoir dans ton équipe. Il y en a également d'autres. Tu as des courtiers en assurance, tu as des conseillers financiers. Mais pour moi, c'est vraiment les 6 personnes qu'il te faut absolument dans ton équipe. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux en discuter, de savoir est-ce que tu as besoin de conseils ou quelle est la stratégie que tu dois adopter, tu peux cliquer dans le lien juste en dessous. Tu auras accès justement à 1 heure de formation offerte. Et suite à cette formation-là, tu pourras prendre rendez-vous avec notre équipe d'experts immobiliers afin de connaître quel est ton projet et de voir quelle stratégie mettre en place et surtout mettre à disposition toute une équipe de professionnels qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui souhaite justement investir en immobilier ou qui ne sait pas de qui s'entourer afin d'investir en immobilier, et ça nous fera un plaisir de l'aider et également toi si tu fais partie du jeu. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.